Beautiful. We're having a really good time. Everybody's super nice. The state, the room is great. We've done some. We went to the Medina and to the beach today, and so we tried. We're here for a very short time, but we try to catch at least a little bit of Tunisian life. La soirée double comme toutes les autres soirées entre Autriche et Suède, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux véritables formations qui vont proposer de la musique qu'on ne connaît pas du tout, ce qui fait qu'on va probablement apprécier. Et ce qui est bien sur cette année, c'est qu'il y a beaucoup de formations de ce type-là. Jusqu'alors, de très bons, et j'espère que ça sera le cas jusqu'à la fin du festival. En tout cas, sans surprise, et Dieu merci. Les trois artistes étaient chacun complet. Si on prend le batteur qui m'a énormément... déjà, il était énorme, c'est-à-dire que son niveau était vraiment... très différent du niveau de certains batteurs que j'ai déjà vus. Spectacle tailleur à Barcha ou un à Manar Voms ou habite en Malakhre. Listen to your story. You know, I've been invited to jazz festivals since the middle of the 90s, I mean for 20 years, and I've been playing many around the world, both in like South America, America, North America, and in Europe, and I'm very happy that it's a jazz festival that invites me the first time I come to Africa, so, and Tunisia, that's great. Allez, faisons les comptes. Smatash Snit, depuis ses premiers albums, à la fin des années 90. D'ailleurs, il m'est arrivé même de le présenter d'Ort dans le temps dans mon émission à Shams Alik, donc c'était l'album de la semaine. Et c'est une belle occasion de le voir sur scène. Je ne l'ai jamais vu sur scène, donc voilà. Donc, Gina Bechechoufou. JJ Johansson, ça fait partie des artistes cultes qui passent dans cette émission. Ça fait partie des artistes que l'on suit depuis le début. Et donc, ça nous fait vachement plaisir de le retrouver sur scène ici en Tunisie. Il joue un jazz vraiment très inspirant, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'engagement. Et j'en suis sûr que les Tunisiens vont absolument se réjouir d'être présents ici. Une très bonne ambiance, une salle magnifique, un public formidable et une réussite totale. Thank you.